J'accueille Django Edwards. 30 seconds. 30 seconds! No! Not 30 seconds! Yeah. No! No! Well, I have set up for 30 seconds. That was so strong. Again, this is the credit. You ever So that's what I did. Yeah. Okay, you've got 10 seconds. 10 seconds. Ah, get out of here! Okay, that's enough, that's enough. Tout le monde en a parlé à retrouver Django Edwards. Le clown réside à Barcelone, la ville où l'architecture de Gaudi est aussi tordue que son mode de vie. I'm reopening the Cabaret Cabral, which is like Cabaret Merda. It's a show I did. It's a cabaret I did for 2 years. We live here. I did it. I write a new show every week. Not like the other French comics, you know. Django vit avec Christina, son assistante, qui le supporte en toutes circonstances. Django es una persona que no tiene horarios, ni para comer, ni para dormir. Duerme cuando quiere, come cuando quiere. At the 5 or 4. Yeah, five. Okay. Es anarquía pura, una anarquía bonita. Ça plane pour moi. À 60 ans, Django n'a rien perdu de sa trash attitude. Et de son humour décapant. Ever since Coluche died, you know, what you have is not, you don't have clowns, you have stand-up comedians. And they're boring. Everybody's trying to take Coluche's place, but there's only one, since Coluche, there's only me left. Boring. No, sorry, I don't want to see that. When you want to see some of the house? These are my eyes. I'm stoned. No. All right, keep my underwear. Look. Smile. My baby. Depuis un an et demi, plusieurs après-midi par semaine, il transforme une partie de son appartement en école de clown et enseigne son art à quelques Barcelonais. Did you sing my cigarettes? No. You come with nothing? You come empty-handed? You come empty-handed to see me? Aren't you happy to see me? You come here to my house with nothing and expect from something. Myself. To be clown or not to be, telle pourrait être la doctrine de ce fou de travail. Lo lleva todo. Él lo controla todo. Controla los alumnos, controla los profesores, el espacio. Trabaja, trabaja. Tiene el nuevo clown instituto en la cabeza todo el día, ¿no? Et en plus de son école à domicile, Django vient d'ouvrir un cabaret. Son nom, le cabaret Cabron, en français, cabaret de merde. Rien de tel en effet que de former ses disciples pour atteindre l'immortalité artistique. Ok, you ready? Méfions-nous des apparences, l'humour décalé et déglingué de Django est une science quasi millimétrée qu'il ne transmet qu'à des élèves triés sur le volet. Hey. Look right. Ready? Left. Forward. Up. Down. Mais après avoir fait le pitre toute la journée, le soir venu, Django est bien fatigué. Go back to the too bad. You can't see this. We're going at 3? Okay. Allez, salut l'artiste. Ah, je suis dans une telle confusion. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous? Voilà, je suis tout déshabillé. Et maintenant, la lumière se rallume sur Django Edwards. Bonjour, Thierry. Bonjour, Django. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. This is a serious conversation. Ça va être une conversation sérieuse. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? You know, I was supposed to do the show before. Vous savez, j'étais censé faire un petit spectacle avant. Et en fait, quand je suis arrivé ici, ils ont perdu ma valise avec tous mes vêtements, mes cartes de crédit, mon ordinateur, tout. C'est vraiment un gros problème. Mais voilà, j'ai encore mon slip, hein, et c'est pour vous. Heureusement. Alors, Django, vous êtes né le 15 avril 1950 à Detroit, dans le Michigan. Votre vrai nom, c'est Stanley Ted Edwards. Votre père s'appelait Harold, et on l'appelait Bud à cause de la bière Budweiser, en fait. Il aimait beaucoup la Budweiser, votre père? Budweiser mixed with whisky. Oui, il aimait bien la mélanger au whisky, d'ailleurs. Hein. Yeah. Ça s'appelle Kick-Ass. Alors, votre père était fils d'immigrants anglais et irlandais. Il était issu d'une famille pas très riche.
Il n'a pas pu aller longtemps à l'école, il a fait des petits boulots. Et puis un jour, il a inventé le carré de gazon déjà prêt. Alors au début, il en vend effectivement à des jardins, à des pavillons de banlieue. Et puis finalement, il en vend à des stades. Et il se retrouve à la tête d'une grosse entreprise de paysagisme. Il était riche ? Oui, il est devenu riche, mais c'était vraiment le self-made man à l'américaine. C'était un très grand, très bon vendeur. Quand il est décédé, on l'appelait le roi du gazon. Voilà, alors votre mère, Dolores, était fille d'immigrants russes et polonais. Et votre mère était folle de bowling. Hein, c'était pratiquement une professionnelle du bowling. Oui, elle était professionnelle. Elle faisait ça 6 jours par semaine. Elle était championne. Elle était vraiment bonne. Et moi-même, j'y suis allée. On a gagné des championnats ensemble. En 1966, après 27 ans de mariage, vos parents divorcent. Votre sœur reste avec votre mère et vous avec votre père. Alors, votre père est très occupé, évidemment, par son business. Il n'est pas souvent là. Et vous, vous retrouvez très jeune, très indépendant. Living by myself at 16, I had my own apartment. À 16 ans, j'avais mon propre appartement, ma voiture. I was fortunate. J'avais de la chance d'une certaine manière. Alors en 1967, vous avez 17 ans et vous décidez de monter votre entreprise de paysagisme concurrente de celle de votre père. C'est-à-dire vous devenez à 17 ans un petit homme d'affaires, quoi. Oui, exactement. J'avais commencé ma propre entreprise, j'étais partenaire avec mon frère. Et vraiment, j'avais beaucoup de reçus. Et à l'âge de 17 ans, j'étais déjà un paysagiste. Alors, avec l'argent que vous rapporte votre affaire de paysagisme, vous voyagez en Europe, vous êtes en quête de mettre à penser, vous vous intéressez à Ouspensky, qui est un ésotériste, auteur de La Quatrième Voie, vous vous intéressez à Gurdjieff. Yes, that's true too. Oui, ça c'est vrai aussi. Thierry, I tell you something that... En fait, Thierry, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Parce que j'en arrive à la fin de ma vie. Vous savez, à l'époque, je suis devenu un prêtre et on m'a ordonné. Donc, c'était un petit peu le flux de conscience. Et donc, j'ai un titre de prêtre. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. Alors, évidemment, quand vous rentrez aux États-Unis, quelque chose a changé en vous. Vous vendez vos parts dans votre entreprise de paysagisme et vous décidez de venir vous installer en Europe, voilà. Et là, en Europe, vous vous concentrez sur l'art des clowns. Et là où c'est encore plus fort, c'est que vous décidez de vous incarner dans une pratique artistique. C'est-à-dire que votre vie devient une œuvre d'art. Oui. Clowning is not a profession, it's a way of life. Vous savez, être clown, c'est une manière de vivre. Hein, c'est pas une profession, je n'en savais rien. Je savais que c'était une manière de communiquer, d'aider les gens de manière globale, généralement. Et ça crée des miracles chez les gens. Et vraiment, le rire, ça défoule, ça aide. Alors vous dites, je n'arrête jamais de faire le clown, même dans la vie de tous les jours. Non, I live clown, I dress clown, I act clown. Oui, je mets vêtir en clown, je joue comme un clown, je fais l'amour comme un clown. Voilà, pour moi, je suis au paradis. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent en enfer sur la terre, mais moi, je suis au paradis. En 1971, vous êtes à Londres, vous étudiez, vous exercez comme artiste de rue avec Nola Ray, qui est une mime anglaise de renommée internationale. Vous créez des troupes jusqu'au Friends Roadshow. Hein. Was a theater community. Oui, c'était une communauté, un petit groupe théâtral qui travaillait ensemble à Londres et tout à fait gratuitement. On était un petit peu des apprentis, hein, on étudiait le fait d'être clown. Alors, c'est une communauté théâtrale mondiale de 400 membres, très important, avec des antennes à Londres, à Detroit, à Amsterdam. Et à Amsterdam a lieu chaque année, à l'époque, le Festival of Fools. Et c'est là que vous vous installez en 1976. Alors là, vous réinventez l'art du clown, donc où se mêlent désormais la musique, le mime, le burlesque, la danse, le jonglage, la magie. Vous avez réinventé le clownisme, en fait. Je ne dis pas que je l'ai réinventé, je pense que je l'ai aidé à renaître, il était en déclin. C'était une espèce en danger. Et ma relation avec Fellini, des gens comme ça m'ont appris qu'il y avait une autre manière de faire des clowneries, de faire le clown, si je puis dire. Alors à l'époque, on vous remarque en première partie des Rolling Stones pour la fête de la reine de Hollande. Hein.
Yeah. Je suis allée voir Dali à Paris, ici, Catherine Deneuve. Parce qu'il y avait des tas de collusions. Donc, être clown, c'était important politiquement, économiquement et socialement. Alors, évidemment, comme votre expression ne passe pas par le langage, par la langue, bien entendu, vous avez bientôt un succès dans toute l'Europe. Et la France vous découvre à la fin des années 80 dans les émissions de télévision. Vous êtes extrêmement surprenant quand vous débarquez ici. J'ai travaillé avec Antoine de Caunes, avec vous, de Chavannes et Coué. Et même les plus nouveaux. Et en fait, j'ai formé Patrick Timsit. Beaucoup des acteurs, d'ailleurs. Pour la France, ça représentait un peu une renaissance. Alors, le climax de toute cette histoire, c'est en 1994, sur le plateau de Nulle part ailleurs, avec Antoine de Caunes et Philippe Gildas. Vous faites une avalanche de miel, de plumes, de crème fraîche, de cotillons gluants, et vous emballez Philippe Gildas dans un sac poubelle. C'est quand même le summum, ça. Quand vous vous produisez au Palais des Glaces, au Théâtre Saint-Martin, ou au Splendide, ou à la Cigale, les spectateurs viennent avec un parapluie parce qu'ils ont peur des crachats et ils ont peur des déjections, quand même. Là encore, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que les Français, ben, ils aiment bien qu'on les batte, qu'on leur envoie des choses à la figure. Les gens venaient, mais ils étaient prêts à se bagarrer pour être en première ligne. Il y avait, je crois qu'il y a une personne, une fille, qui est venue 75 fois, un autre 20 ou 30 fois. À l'époque, vous dites, je n'ai pas de limite, je vais jusqu'au bout de ce que les gens peuvent supporter. Exactement. La philosophie aujourd'hui d'un clown, du nouveau genre, c'est de dire « j'ai pas de limite ». Je n'ai que la limite de l'auditoire, de l'audience. Et d'arriver juste au bout, à la limite, si vous êtes un bon clown, vous êtes un petit peu, vous identifiez à l'audience. C'est pourquoi mon show, à 17h, je ne sais jamais ce que je vais faire. Alors, quand vous êtes devenu célèbre comme ça, quelles ont été les réactions de votre entourage ? En fait, mon père est décédé avant même que je sois célèbre. My work is not about fame. Et mon travail, ce n'est pas d'essayer d'être célèbre. Et maintenant, c'est maintenant que je me retourne derrière sur ma vie et que je me rends compte que j'étais très célèbre. Ouais. Votre mère a réagi comment ? She was also dead. Non. Elle était décédée aussi, oui. En fait, tous les deux sont morts avant même que j'ai du succès. Mais il faut comprendre que j'ai laissé une famille américaine établie avec de l'argent. Et puis moi-même, j'en avais. Ils pensaient que j'étais fou d'avoir tout abandonné et de venir en Europe et de faire l'artiste de rue. Donc, au bout de 4-5 ans, ils ont commencé à comprendre. Je les ai fait venir ici. En Europe, quand j'ai commencé à avoir du succès, et ils m'ont vu, et mon père avait déjà eu un cancer, et donc il n'avait plus de voix, et je pouvais voir de loin qu'il pleurait, et enfin il comprenait ce que je faisais. Chaque être humain doit essayer d'aider les autres. Je pense que être clown, c'est aider les gens. Je pense que c'est important. C'est plus important qu'on peut même l'imaginer. Est-ce que vous avez gagné de l'argent à cette époque ? Vous savez, pendant les 16 premières années, jusqu'à 86, je ne faisais pas tellement d'argent. Commencé des projets et j'ai une période où j'ai commencé à faire de l'argent. Ici en France, on m'a beaucoup volé, les producteurs, Monsieur Lavie, qui ont essayé de capitaliser sur mes succès. Et en France, ça a été dur parce que j'avais beaucoup de succès, mais dans l'industrie, c'est vraiment des salopards, si je puis dire. Moi, l'argent, je m'en fous un peu. Parfois, je gagne 7000 dollars pour un show de 7 minutes. Hein. Est-ce que cette célébrité vous a amené des rencontres amoureuses?
Because it's my last show, I can tell you the truth, you know. Comme c'est le dernier spectacle, enfin la dernière émission, je peux vous dire la vérité. I used to be like an animal. I was pretty wild in my day. En fait, j'étais plutôt sauvage, you know, à l'époque, hein, bête. 400 women I've been with in my life. Peut-être 400 femmes, hein, j'ai eu à l'époque. Yeah. Je ne suis pas fière de ça, parce que maintenant, je respecte les femmes. Mais j'étais un vrai animal, une vraie bête. Mais comme j'avais beaucoup de succès, on me jetait le sexe, enfin les femmes se jetaient à ma figure. Mais les femmes sont des êtres que je respecte beaucoup, je leur dois beaucoup. Et j'aime maintenant aider les femmes clowns parce qu'elles sont les meilleures clowns. Mais évidemment, elles ont des problèmes parce que les hommes, ils n'aiment pas tellement voir les femmes faire les clowns. Quel a été le meilleur moment de cette époque ? My life has been fantastic, man. Moi, j'ai une vie fantastique, franchement. If I could give you just one half, si je pouvais vous dire ne serait-ce qu'un jour ou une moitié de ma vie, je n'ai aucun regret. Quel a été le pire moment de toute cette époque? Man, I can't think of a bad moment. Je pense même pas, j'arrive pas, même pas penser à un mauvais moment. Django doesn't get. Django is a happy person. I live my life. Django, c'est une personne heureuse quand je m'attriste un petit peu, juste pour un petit moment. Eh ben, je lis simplement le journal. I have nothing to be sad about. I have no bad. J'ai pas de raison d'être triste. La vie a été très bonne avec moi et je suis content d'être qui je suis. J'ai pas le SIDA. Je suis pas dans une guerre et je suis pas là avec le terrorisme. Ensuite, après toute cette grande époque, l'engouement du public retombe un peu. Et en 2005, on vous retrouve dans La Ferme Célébrité sur TF1. Et là, la production est obligée de flouter l'image parce que vous exhibez vos parties génitales, j'imagine. Non, premièrement, j'avais vraiment... une condition, il y avait cinq. Il fallait que j'aie un mot français dans chaque phrase. Et je suis allé à la ferme pour une raison particulière, parce que les gens qui regardent ce programme, cette émission, sont des gens qui ont moins d'argent. Et j'ai été le premier clown dans l'histoire à être dans une émission française. Et pour une certaine période, j'ai beaucoup aimé ça. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'on m'a... Je me suis fait virer du programme parce que j'avais d'autres choses à faire. Et ils m'ont dit, je leur ai dit, je suis malade, il faut que je parte. En fait, j'étais pas malade. J'ai commencé à fumer 3 paquets de cigarettes et évidemment, j'ai une bronchite. Après, on m'a mis à l'hôpital. Et vraiment, pour que je puisse me dégager. Vous leur avez pris de l'argent quand même ? Ah là encore ? Oui, j'ai fait de l'argent. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait à l'époque. Le gars qui travaillait pour moi, ben, il m'a volé mon argent. Un autre producteur. Hein. Donc, pour ma propre production, j'en gagnais 60 000, mais j'en ai vraiment que 25 000 dans la poche parce que le reste m'a été volé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de succès, de... Non, j'ai encore du succès. Hein. Tous les jours. Chaque jour, vraiment, je fais plein de choses. J'ai un emploi du temps pas possible. Mon assistant, elle fait mon programme. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et évidemment, je fais de la formation. Je suis réalisateur aussi. Si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Django? As a clown, you have no private life. En tant que clown, on n'a pas de vie privée. Hein. Vous êtes vraiment au milieu du public, avec une vie publique. Et en tant que clown et père, j'ai souffert quand même. C'était pour mes enfants. Hein. For a long time, I didn't see them very much. Pendant longtemps, je ne les ai pas beaucoup vus. They suffered from that. Et ils en ont souffert. But, mais, not too long ago, mais, my sons and my daughter, il n'y a pas si longtemps... mon fils et ma fille sont venus prendre des cours chez moi et je me suis mis à effectivement m'excuser auprès d'eux. J'ai dit, je suis désolé, évidemment, je n'ai pas été le père que vous auriez voulu. Mais après, ils m'ont dit, tu sais, papa,
On accepte donc tes excuses parce qu'on a une famille qui est mondiale maintenant. Ce sont des clowns eux-mêmes. Donc maintenant, j'essaye d'avoir un autre enfant. Quand vous serez mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Nothing. My life is not important. Ma vie n'est pas si importante que ça. Elle est importante pendant que je vis. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Écoutez, en tous les cas, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Django. Vraiment. Watch this. Watch this. Terry. Regarde. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.